Bonjour, nous sommes aujourd'hui à un stage d'initiation à la permaculture et nous allons transformer un petit jardin en un espace d'abondance. Là, vous voyez donc le compost, le petit jardin qu'on est en train sur lequel on est en train de dessiner, de mesurer l'emplacement des futurs buts. Et là, vous voyez, on commence à creuser. Voilà, vous avez vu à peu près deux largeurs de bêche. Et puis on commence à installer des gros morceaux de bois, des troncs, puis des plus petits. Voilà, ensuite on met du compost, on tasse, on ramène la terre sur les morceaux de bois. Et déjà, les petites buttes sont déjà en place. Mais ce n'est pas suffisant. Nous allons donc mettre des cordeaux pour déterminer la largeur des vraies buttes. Et nous allons creuser de chaque côté. Puis, tasser, arroser. Et comme ça, nous aurons fini de réaliser une belle butte. Voilà. Voilà, bon bah écoutez, là on vient de terminer donc la phase pratique du stage d'initiation à la permaculture. Alors ça se passait effectivement chez Hervé, hein, donc qui a hébergé un petit peu ce stage et on lui a un petit peu transformé son jardin, donc je voulais lui demander un petit peu ses premières impressions. Bah écoutez, avec le groupe qui s'est constitué ce week-end, on a fait des buts, hein, comme vous pouvez le constater. Donc je suis un petit peu surpris, mais j'attends la suite de l'évolution. Donc pour moi, c'était quelque chose de nouveau de créer chez moi un site de permaculture avec l'espace, le peu d'espace dont je dispose. Et puis c'est vrai que ça reste un petit peu en lien avec toutes les activités que je peux pratiquer moi-même, que ce soit le Qigong ou les arts internes, énergétiques, etc. Avec cette connexion avec la nature, le retour au travail de la terre et puis l'énergie qui nous entoure, profiter du soleil, profiter de la terre et puis arriver à faire pousser des légumes et puis partager un moment avec des gens aussi qui partagent aussi peut-être les mêmes envies que moi. Donc voilà. Merci. Alors on peut peut-être poser quelques questions donc à ceux qui ont participé. Alors quel effet ça vous fait d'avoir participé à cette transformation de jardin? Grande satisfaction. Mais moi j'ai pas fait grand chose. Ça avait l'air bien, franchement. Non, franchement c'est vraiment excitant, un projet sympa, bien. On va voir quand tu transformes l'espace. Ouais. Toucher à la terre et transformer l'espace, c'est une grande. Ouais, ça fait plaisir. Un beau projet. Parti de rien, on a réussi à faire de magnifiques buts, quoi. On est content de ce qu'on a réalisé, quoi. C'est déjà ça. On a pu appliquer la théorie enseignée par Alain. Je serais curieux de voir le résultat. Du coup. Bon, bah écoutez, on peut se revoir dans un an ou dans 6 mois si dans ça vous fait plaisir. Ouais, carrément. Eh ben dans 6 mois, on se retrouve. Allez. J'éteins. Coupé.